Voilà, ben merci. Donc, je suis avec Jean-Pierre Hémy, qui est président de ce local. Bonjour à tous. On a 20 minutes pour échanger. Donc, merci parce que c'est chaud en ce moment sur ce local qui fait la une des Échos et du Figaro économique tous les jours. Et bon, ça va bien se passer comme ça. C'est toujours bien passé depuis que tu es le président de cette société. Et c'est un très bel actif, de toutes les manières, et rentable. Donc, en général, quand ces éléments-là sont réunis, ça se passe bien. merci d'être là avec toute cette pression et cette actualité. On va parler de deux choses. Hein, on va parler de deux sujets qui sont d'une part le Web to Store, qui est un sujet fondamental pour plein d'adhérents, et d'autre part, donc on attend que les gens transfèrent d'une salle à l'autre, et d'autre part, les microtransactions. Hein, c'était convenu comme ça. Juste, quels sont les rappels en deux mots, quelles sont les activités de ce local ? Bon, ce local est une société qui s'est profondément transformée depuis maintenant 5 ans. Aujourd'hui, c'est on va dire, le leader en Europe de tout ce qui est communication locale digitale. Donc c'est, on va dire en France, déjà un reach exceptionnel. En local, c'est le premier reach de France. C'est des partenariats exclusifs, souvent uniques au monde, avec les grandes marques, hein, Google, Facebook, qu'on a annoncé il n'y a pas très longtemps, Bing, Apple. Et puis, par rapport à ce dont on va parler aujourd'hui, c'est avant tout une base de contenu sur les professionnels exceptionnels. On gère 350 000 sites web d'entreprises en Europe. Et puis, c'est depuis relativement un peu moins, depuis 2 ans maintenant, une grosse activité sur la data, et notamment sur la data locale, puisqu'on a énormément de données sur les intentions d'achat en local. On utilise ça, on en parlera, je pense, dans la discussion absolument d'aujourd'hui, ouais, pour améliorer la performance des campagnes locales. Alors, on va commencer par le sujet qui n'est pas celui sur lequel on va rester le plus, qui est celui des microtransactions. Comment fait-on ? Donc la question, c'est comment fait-on pour gagner de l'argent avec des contenus et avec des contenus qu'on ne peut pas vendre 100, 150 euros ? Oui, alors nous, on a une stratégie qui est assez simple. C'est qu'en fait, le Web to Store et les microtransactions, ça démarre déjà par un référencement. Donc il faut, et c'est la première étape de toute stratégie de cette nature-là, c'est d'avoir un référencement, et très souvent ce référencement, il est gratuit. C'est-à-dire que le référencement de base, le référencement d'un magasin, le référencement d'une entreprise, c'est d'abord d'être présent partout, sur tout le web. Donc notre premier métier, c'est de créer le contenu et de le multi-référencer. Et c'est vrai que là-dessus, on gagne relativement peu d'argent. Mais on crée la base. On crée la base à travers, on va dire, une interface commune, en fait. On va, à partir de cette interface commune, lister tout le contenu pertinent pour les pros. Alors aujourd'hui, on va dire, la base de contenu se déplace. Hein. Au départ, c'était, on va dire, les informations de base pour être contacté. Alors déjà, là, ça se déplace de plus en plus vers les apps et vers les web chats. Mais surtout, c'est ça se déplace vers le bas par rapport au graphique que vous avez derrière moi, qui est d'animer l'activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut être référencé, il faut avoir du contenu chaud, il faut expliquer ce qui se passe dans la journée, ce qui se passe dans l'heure, et être capable de référencer ça sur l'ensemble des plateformes. Et là, à nouveau, la bataille sur les plateformes et le référencement, elle se déplace. Il y a d'abord tous les grands médias de recherche locale. Je vous ai expliqué, ça a été le travail qu'on a fait depuis 4-5 ans, ça a été de construire des partenariats uniques avec ces grandes plateformes mondiales. On a été souvent d'ailleurs les premiers dans le monde à construire ces partenariats. Et puis ensuite, d'aller de plus en plus vers les applications en mobilité, vers les véhicules connectés, etc. De manière à être, dans un premier temps, multi-référencé partout. Tout ça, c'est quasiment gratuit. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on ne paye pas les grandes plateformes d'audience pour être référencées sur l'ensemble de leurs plateformes. Et à l'inverse, elles ne payent pas non plus pour accéder à notre contenu qui est évidemment exceptionnel, puisqu'on a 2 millions de contenus de pros en base, et on a de l'ordre de, comme je disais tout à l'heure, 350 000 sites web en base. Donc cette information qui est déjà absolument nécessaire, c'est du contenu gratuit. C'est du contenu gratuit qui est référencé partout sur l'ensemble du web. Et ce n'est, on va dire, que dans une deuxième phase, on va commencer à rentrer dans les transactions.
et les contenus payants. Ce contenu gratuit, c'est par exemple la map qu'il y a sur l'iPhone ? Oui, tout à fait. Quand on est sur plan, c'est du contenu gratuit. C'est du contenu qui est référencé, on va dire, gratuitement par l'iPhone, enfin par Apple. Chez Bing, c'est la même chose. Tout le contenu qui est chez Bing est du contenu sous local, puisqu'ils ont un accès exclusif à notre contenu. Mais même aujourd'hui, si vous allez sur Google My Business, on a obtenu il y a quelques semaines en fait le premier contrat en Europe pour updater, c'est-à-dire corriger en fait du contenu sur Google My Business en masse, hein, c'est-à-dire plusieurs centaines de milliers de contenus ou plusieurs millions de contenus d'une seule fois. C'est évidemment quelque chose auquel Google fait très attention avant de donner une autorisation pareille, puisque fondamentalement ce que vous allez faire, c'est que vous allez changer le contenu qui se trouve dans les bases de Google. Donc, localiser le contenu local, en fait, ce que vous trouvez dans Google My Business. En fait, Google accepte très facilement du nouveau contenu. C'est beaucoup plus compliqué pour eux d'accepter que quelqu'un vienne effacer du contenu existant dans les bases. On est passé par tout le processus, on va dire, de qualification qui nous permet de faire ça. Et on est premier en Europe à faire ça. Donc, c'est ça, on va dire, déjà la première brique du web to store, c'est déjà que vous soyez visible sur toutes ces grandes plateformes du web. D'accord. Je vais parler comme Alain Juppé, là. Je veux dire, si je suis le distributeur Coop, par exemple, et que j'ai des magasins partout en France, si je suis client chez vous et qu'un client dit « je cherche une supérette », c'est vous qui... On va passer sur la planche suivante, si vous voulez bien, parce que ça explique exactement ça. Ça répond exactement à cette question. Quand vous êtes client effectivement chez nous, la première des choses, en fait, c'est là où on explique comment on fonctionne pour aller du point de vente à la transaction. Alors, elle peut être micro-transaction ou elle peut être macro-transaction, ça dépend. Il y en a différentes natures. Mais la première des choses pour nous, effectivement, c'est d'avoir une localisation du store locator. Donc là, on a pris l'exemple de SFR ou de Darty, qui sont effectivement des exemples qu'on sert en France, mais qu'on sert partout dans le monde. C'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours très connu, mais ce local va servir des clients dans 120 pays. Donc la première des choses, c'est vous allez sur votre iPhone, vous allez sur votre Android, vous cliquez le nom d'une marque, et notre boulot, notre premier métier, c'est de faire en sorte qu'on va référencer le point de vente le plus proche. Ça va assez bien. On en fait 350 000, on en gère 350 000 à peu près dans le monde entier, 50% à l'international. Deuxième étape, là, il y a une grosse barrière. C'est de passer du store locator au product locator. Il y a quelques pourcents des stores qui passent au product locator. Pourquoi quelques pourcents ? Parce que là, il y a une véritable étape, hein, qui est de référencer tout l'inventaire, pas seulement les prix, mais l'inventaire en direct. Donc, il faut être en temps réel. Et donc, par exemple, là, l'exemple qu'on a, SFR, on va y référencer les stocks en direct. C'est souvent très important pour les réseaux parce qu'en tête de réseau, ils ont rarement le stock, magasin par magasin. Donc, par ces applications, non seulement vous avez un contrôle de ce qui se passe et que vous l'exposez sur le web, mais même en interne, ça vous permet souvent de consolider en temps réel ce qui se passe dans vos magasins. Alors, Là, honnêtement, il y en a quelques pourcents, hein, qui passent chez nous du store locator au product locator. On a quelques dizaines de milliers de produits. Ils le font locator à la main ? Non, on ne le fait pas à la main. On se connecte avec tous les ERP. Alors, voyons, une chaussette taille 42. On est sur les ERP du magasin, hein, directement. Donc, on est branché sur tous les grands systèmes. Alors, vous interfacez facilement avec les 30 premiers systèmes mondiaux. Après, pour peu qu'un magasin ait un système un peu original, ça devient un peu plus compliqué. Oui, prise unique, c'est pas possible. On n'est pas interfacé avec le système de prise unique. Non. Et ensuite, par contre, le passage du product locator au click and collect est assez simple à faire, puisqu'à partir de ce moment-là, il suffit juste d'enregistrer la transaction et d'enregistrer éventuellement le paiement. Donc, quand vous êtes au product locator, vous passez assez facilement au click and collect. Mais la vraie barrière, elle est pas pour passer du store locator. Je vous dis, nous, on a 350 000 store locators dans le monde et on a quelques dizaines de milliers de product locators. Donc là, il y a une vraie barrière.
Le produit directement sur la recherche, c'est la grande clé de l'efficacité en commerce électronique. Parce que ça a été une tendance qui avait été lancée par Google déjà. Hein. Donc, dans la réponse, on a un produit, on clique et on est sur le bon de commande. Hein. Donc, ça, c'est ce que vous faites au niveau localisé, ce que vous proposez. C'est ce qu'on fait au niveau de chacun des magasins, chacun des points de vente, chaque représentation. Et en termes de transactions, d'achat, de conversion, ça... Ça marche très, très bien. Là, on a une très forte... Quand on est en product locator, quand les produits sont localisés, le passage au click and collect et le volume de transactions est très important. C'est-à-dire que là, on drive d'ailleurs un trafic très, très solide. Le plus difficile, c'est de passer du store au product locator parce qu'il faut s'interconnecter avec les systèmes de réservation et l'inventaire. Fondamentalement, la caisse enregistreuse, quoi. C'est devenu sacrément technique, le digital. On ne s'y forme pas comme ça, parce que je vois, tout à l'heure, j'étais dans la salle à côté, on est sur des chiffres, par exemple, qui sont des augmentations de revenus de 14% sur certains types de produits par rapport aux technologies qui ont été montrées, et on est vite largué dans ce milieu. J'imagine que vous avez, tu me l'avais dit, mais j'avais oublié, mais il y a combien d'ingénieurs pour développer tout ça? Quand je prends les forces techniques de Solocal, on a à peu près 500 personnes en France. Enfin, en France, on en a en Angleterre, en Autriche, en Espagne, mais au total 500. Ouais. Ce qui fait d'ailleurs aujourd'hui que c'est pratiquement la plus grande force technique Internet localisée en France. Alors, est-ce qu'avec tous ces outils hyper efficaces, hyper interactifs, qui donnent exactement l'information au lieu où on se trouve et éventuellement la disponibilité des produits, ou voir prendre rendez-vous avec un coiffeur, sachant que la coiffeuse est dispo, puisque les coiffeurs, maintenant, sont sans rendez-vous. Est-ce que le marketing traditionnel local continue à fonctionner avec les flyers sur les essuie-glaces, avec les flyers dans les prospectus, dans les boîtes postales? Oui, si j'en crois mes parents qui habitent en banlieue de Toulon et qui ont 6 flyers pour 3 courriers. Alors, aujourd'hui, on dépense en France, en budget publicitaire, on dépense plus sur les flyers, sur les essuie-glaces et dans les boîtes aux lettres que sur l'ensemble des dépenses de marketing online. C'est encore en euros, en millions d'euros. On dépense à peu près entre 3 milliards et demi et 4 milliards d'euros chaque année sur les flyers, les brochures, les catalogues d'hypermarchés et de supermarchés qui vous sont distribués dans vos boîtes aux lettres, etc. C'est plus que ce qu'on dépense sur le total du online. Et c'est, puisque le total du online est entre à peu près 2,7 et 2,8 milliards, et sur le total du online, on a à peu près 1,3 milliard sur le local. Donc, on dépense en local, on dépense à peu près 3 fois plus à peu près en ce moment sur les flyers. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je pense que par contre, dans les trimestres qui viennent, on peut avoir un basculement très important notamment ces flyers, vers le web. Et on a travaillé avec Facebook sur les derniers trimestres et on a développé notamment... Facebook a un intérêt très important, c'est qu'ils ont évidemment des données sur leurs utilisateurs qui sont extrêmement précises et qui nous permettent en fait d'aller beaucoup plus près en termes de ciblage sur le track digital. Donc pour ça, on va utiliser nos datas. On va utiliser nos datas et les datas de Facebook. Donc nous, on a des datas sur l'intention d'achat, les produits qui marchent, les produits qui ne marchent pas, etc. Facebook a évidemment des datas sur le consommateur. Et donc, on va, à partir de là, avoir une performance qui est beaucoup plus forte en termes de ciblage, justement, par rapport à ce marketing. Moi, on a un coût du contact, hein, du contact lu, quand vous utilisez un tract digital, le contact lu, celui qui lit le tract, vous coûte en moyenne 70 centimes. Avec Facebook, on a fait ce travail et on arrive à toucher en fait 6 fois la même personne, donc elle va lire 6 fois la même communication dans sa timeline pour un coût qui est entre 5 et 16 centimes. Donc on a effectivement aujourd'hui une technologie extrêmement intéressante qui permet d'être beaucoup plus précis, d'être beaucoup plus pertinent, parce qu'évidemment on a tous la même vision de la publicité, c'est-à-dire demain moins de publicité mais plus pertinente. Envoyez-moi juste la publicité qui m'intéresse, quoi. Avec ça,
En fait, on utilise cette data et on va utiliser cette data sur Facebook. On va l'utiliser en display aussi. Donc, on a un produit, on va dire, de targeting ou de retargeting en display. On fonctionne, pour ceux qui sont familiers de Criteo, c'est exactement les mêmes principes, mais appliqués au local. Et puis, on va fonctionner aussi avec Google, c'est-à-dire qu'en fait, la manière dont on travaille aujourd'hui avec Google, c'est qu'on s'engage sur un nombre de clics, et après, c'est à nous d'utiliser les datas de manière à aller chercher ces clics et optimiser le taux de conversion. Et aujourd'hui, en local, on arrive à peu près à doubler le taux de conversion qu'on arrive à avoir en national en utilisant la data, parce qu'effectivement, on est plus précis dans le type d'information, le type de ciblage qu'on peut avoir. Et donc, on peut multiplier par deux à peu près l'efficacité d'une campagne en utilisant les datas locales. Et vous faites ça avec Leadformance, hein, je crois, c'est ça? Oui, alors on le fait. En l'occurrence, ce qu'on a inscrit là, c'est-à-dire Booster Contact, on le fait avec une société qu'on a rachetée il y a quelques mois, là, mais maintenant, c'était la fin de l'année dernière, qui s'appelle Effilab, qui était une des principales agences Google, Facebook, d'ailleurs, à ce moment-là, et qu'on a intégré avec nos équipes pour justement, on va dire, mixer leur capacité de ciblage avec nos datas. Et ce qu'on fait avec Leadformance, c'est plutôt ce que vous avez vu avant, c'est-à-dire en fait la capacité à référencer un store locator, référencer un produit, et amener jusqu'au click and collect. Tu sais, on a le même âge, donc on a été formé en école de commerce, on dira, il y a 20 ans. Et à l'époque, il y avait Nielsen. Et ouais. J'ai l'impression que vous remplacez un peu, par les services que vous rendez aux commerçants, la connaissance client locale que fournissait Nielsen. Les tickets de caisse, ouais, tu t'en souviens? Non, mais bien sûr, et c'est en partie vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a acheté une société il y a quelques années qui s'appelle Retail voilà, Explorer, notamment, ouais. Et qui est en fait un des principaux fournisseurs, je crois qu'ils sont deux dans le monde, hein, en fait, en France au moins, à fournir toutes les données sur en fait, les prix dans les magasins. Et donc, effectivement, on a aujourd'hui des toutes premières bases de prix sur l'ensemble des produits en magasin. On a sorti, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, une application qui permet de comparer en fait, tous les prix dans tous les drives de France et de voir qui est le moins cher. Vous savez qu'il y en a un qui revendique régulièrement d'être le moins cher, et je vous confirme qu'il est le moins cher, en règle générale. Oui. Et qui est votre client, par ailleurs. Celui qui détient la data locale, c'est-à-dire que consomment les gens dans une zone de chalandise donnée, a une des clés de la distribution, en fait. Parce que le web sous-sort, c'est ça, c'est pas simplement choper les gens quand ils marchent par du mapping, bon, vous le faites, mais c'est avoir l'info. Il y a Sébastien Langlois qui ricane, mais c'est avoir... qui rit dans sa barbe, il n'en a pas, mais c'est d'avoir l'info de ce qui est consommé au niveau local. C'est ça la clé du web sous-sort. Il faut le dire. Non, mais il y a le basique déjà, qui est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'être référencé. Ah oui, bien sûr. Il faut être présent. Il faut être présent sur toutes les plateformes, mais aujourd'hui, on ne va pas gagner beaucoup d'argent en assurant la présence. Et on voit bien aujourd'hui qu'avec le développement des technologies, ce sera de plus en plus évident. Enfin, après, là où on va gagner de l'argent, c'est dans l'utilisation de la data pour, on va dire, cibler beaucoup mieux le bon consommateur, envoyer, c'est la tendance que Facebook et Google veulent imposer aussi, hein, c'est moins de publicité, mais plus de publicité pertinente. Donc là où on va gagner, c'est là-dessus. C'est celui qui aura la meilleure data, qui en fera la meilleure utilisation pour envoyer la meilleure publicité aux meilleurs clients. Voilà. Alors, dernière question, parce qu'on va nous virer. Il y a un concept actuellement qui se développe. Je pense que vous y êtes, tu vas me dire, c'est peut-être pas forcément le cas. C'est les réseaux d'experts. Donc, il y a Tips qui se lance par Fabrice Berger-Duquesne. À côté, il y a eAdvice qui a présenté avec Mano Mano. Et Mano Mano fait 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, quand même, à la plateforme de bricolage. Et ils en faisaient 10 l'année dernière quand ils ont pris la parole à l'EBG. C'est incroyable. Ils ont fait 70 millions d'euros de CA en plus, en 8 mois. Et donc, eAdvice a développé pour eux un réseau d'experts qui sont des anciens acheteurs, des gens qui sont fans du produit, etc. Et vous aviez racheté Oreca. Oui. Est-ce que c'est dans le même... C'est aujourd'hui, Oreca, c'est un site qui est appelé à être dans le top 50 français. Doivent être à peu près 70e aujourd'hui. Quand on a acheté, c'était millième, enfin, ça avait relativement peu de reach.
Et effectivement, c'est un site qui est basé exactement sur ce principe-là, qu'on monétise très mal par rapport aux chiffres que tu viens de me donner. Hein. Donc nous, on n'est pas du tout aussi performant là-dessus. C'est peut-être un sujet sur lequel il faudrait qu'on se pense un peu plus. Mais c'est exactement le même principe, c'est-à-dire qu'à la base, c'est des questions qui sont posées à des experts sur la vie courante. C'est les experts qui répondent. Et Eureka a à peu près 500, on va dire, guides pratiques sur notamment enfin, les sujets sur lesquels on est le plus présent, c'est la maison, la santé et la finance. Je te remercie, Jean-Pierre. C'est toujours très intéressant d'échanger avec toi. Et bon courage pour la suite. On va tous suivre comment évolue ce local. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.